Mesdames et messieurs, au départ de ces championnats de France 2019, cette fois-ci, nous avions 97 concurrents. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir la remise des prix CSO Poney 2B. Allez, vous pouvez les applaudir bien fort. Et maintenant, voici le podium. Et applaudissements mérités pour l'arrivée de la championne de France. Alors, je vais demander à trois personnes, s'il vous plaît, de bien vouloir venir sur la carrière pour tenir les poneys de nos futurs médaillés. Lola, Alice et Jade, vous pouvez mettre pied à terre, s'il vous plaît. Et on va se mettre en bas des marches du podium. Allez-y. Allez-y, en bas des marches, juste là. Alors, ce sera Madame Mélodie Couteau, juge de cette épreuve, qui va remettre les récompenses à nos 8 médaillés, associée bien évidemment à Monsieur Pascal Bulac, vice-président du conseil départemental du Loir-et-Cher et maire de la Motte-Beuvray. Nous partons pour le polo de Paris. Le poney, c'est Barnouévès. Mesdames et messieurs, elle est 8e. C'est Lynn de Chary. Pour JMO Équitation avec Banana Moon, Noémie Klein est 7e. Pour la ferme de Bel Air avec Top Class, Océane Rimoux est 6e. Pour le haras de la Chéchinière avec Agathe, Floris de Morgan est 5e. Et pour les petits sabots avec Achille, Romane le Jeune est 4e. Et maintenant, le podium. 57, 97 pardon, concurrents pour ce championnat de France 2019. Vous avez devant vous les trois plus rapides, les trois meilleurs. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir celles qui vont monter sur les marches. Voici les médaillés. Alors nous avons également Monsieur Jean-Paul Prince, sénateur du Loir-et-Cher, qui va également remettre les récompenses à nos futurs médaillés.
pour le centre équestre La Rivière, avec Chanel de l'Étang, sur la troisième place. Nous avons, mesdames et messieurs, celle qui va porter la médaille de bronze, c'est Jade Tollet. Pour les écuries du JAL, avec Lola, elle est vice-championne de France, Alice Lacrotte. Et sur la plus haute marche du podium, nous partons pour les étriers de Villebret. Son poney, c'est Tonnerre. Elle est championne de France 2019, Lola Dintra. Et bien sûr, M. Serge Lecomte s'est joint à nous également pour remettre les récompenses à nos lauréats. Je vous rappelle Serge Lecomte qui est notre président de la Fédération française d'équitation. Mesdames et messieurs, je sais que vous l'attendez tous. Laissons place maintenant à l'arrivée du coach. Nous sommes sur un championnat de France. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Messieurs, on enlève casquette et chapeau et laissons place maintenant à la Marseillaise. Et vous pouvez les applaudir bien fort. Bravo, félicitations, vous le méritez. Je vous demanderai de rejoindre vos poneys, s'il vous plaît. Les plaques et les tapis, vous les donnez à vos coachs. Les personnes, non, on ne bouge pas, on reste là. Je vais demander à des personnes de venir sur la carrière pour prendre les plaques de ceux qui sont à poneys. Venez, vous avez le droit. On est prêt? Alors, je demande au monsieur de partir à partir de l'écran. Allez.
on peut y aller pour le traditionnel tour d'honneur. Et on y va. Allez, on va repasser au trot tranquillement, s'il vous plaît. Et encore bravo à Nine, Noémie, Océane, Florise, Romane, Jeanne, Alice et Lola. Et on va garder une dernière fois notre championne de France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle nous vient des Étriers de Villebray. Son magnifique poney noir, c'est tonnerre. Mesdames et messieurs, elle est championne de France 2019, CSO au poney de B, Lola Dintra. Bravo Lola, quel talent! Est-ce que tu reviens l'année prochaine? Oui? Eh bien, c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueillera en 2020.